Max, j'ai une idée de ouf pour ma prochaine vidéo, le prochain prank pour Oda. Dis-moi si tu trouves ça drôle. J'ai eu l'idée de prendre sa voiture et de la cacher dans Brookhaven. Comme ça, il va se dire, wesh, qui c'est qui a volé ma voiture? Et après, wesh, il l'a mis où? Mec, encore une fois, t'es trop intelligent. Ouais, je sais, je sais. On me le dit souvent, en plus. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Y a que toi qui as dit que je suis intelligent, et c'est déjà bien. Ok, moi j'ai eu l'idée de faire croire que Furious Jumper avait envoyé une lettre à Oda pour lui demander de venir faire une vidéo avec lui. Non, mais c'est une super idée ça aussi. On pourrait lui faire croire que le YouTuber il veut faire une vidéo avec lui, alors que non. Ouais, mais après c'est pas gentil. Quand il va apprendre que c'est faux, il va être tellement triste. Et le but c'est pas de le rendre triste, c'est juste de rigoler un peu. Dans les commentaires de la vidéo, marquez « Fais le prank, on s'en fout !» si vous voulez que je fasse ce prank à Oda. Ah, bah ça doit être mon colis. Allez. Wesh Gondra, qu'est-ce que tu fais là? Mais je te vois souvent en ce moment. Vous êtes en train de préparer quoi, vous deux, là? Je le sens pas. On prépare rien du tout. Qu'est-ce qui te fait croire ça? T'es devenu parano? Non, 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 j'étais juste en train de demander le numéro de téléphone de Max. Comme ça, quand je veux t'appeler, si tu réponds pas, j'appelle Max. Tout simplement, mec. Oui, je jure sur la tête de Huggy Vuggy que c'est vrai. Ok. Je vais vous croire pour cette fois. Faites attention. Très bizarre. Bon, j'ai reçu un colis Amazon. Waouh, trop stylé. Huggy Wuggy New Toy. Comment c'est possible? J'ai reçu un jouet Huggy Wuggy. Oh là là, ça fait plaisir. Monsieur le livreur? Bonjour? Y'a quelqu'un dans la voiture? Pourquoi c'est vide? J'ai l'impression qu'il n'y a personne dedans. Bizarre, normalement ils ont pas des camions comme ça, Amazon. En plus on dirait qu'ils ont collé un autocollant. Je vais prendre le jouet, je vais l'amener à l'intérieur. Oda, tu m'expliques pourquoi il y a un truc de Huggy Wuggy? Huggy Wuggy, il est pas censé être super méchant méchant? Bah j'en sais rien, j'ai reçu ça, c'est un colis Amazon. C'est quand même bizarre, j'ai jamais commandé de Huggy Wuggy. Bonjour, je suis Huggy Wuggy. Mais il parle en plus! Oh, comment ça fait peur, j'aimerais pas être à ta place, Oda. Bon, moi je vais devoir y aller, hein. C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que j'ai des trucs à faire. Allez, salut les mecs, hein. Bon, il a raison d'être parti. C'est peut-être dangereux. Mais moi je suis prêt à prendre le risque. Ce Huggy Wuggy est attaché. Il peut pas se défaire de ses liens. Regardez, on voit qu'il est attaché là, là, là et au pied. Donc pour l'instant, il peut pas bouger. Tu parles, Huggy Wuggy. Eh ben, on va parler. Tu vas me dire tout ce que tu sais. Et est-ce que t'es méchant? Bien sûr que non. Je ne suis pas méchant. Je suis un gentil, Huggy Wuggy. Je te le promets, Oda. Wesh, comment il connaît mon nom? C'est un truc de faux. Qui lui a dit mon nom? C'est toi qui lui a dit? Mais Oda, je connais ton nom, parce que c'était marqué sur ta maison. Ah oui, c'est vrai. Ouais, laisse tomber, je suis bête. Tu me promets que t'es gentil, hein? Jure-le sur la tête de Max. Comme ça, si jamais t'es méchant, bah c'est lui qui meurt. Je te jure sur la tête de Max, sur la tête de moi, Huggy Wuggy, que je suis gentil. Ok, je vais te croire pour cette fois. Mais t'as pas intérêt à faire le malin, parce que sinon tu vas finir comme tous les autres Huggy Wuggy, explosés en miettes, et c'est moi qui les ai explosés. Alors fais attention, mon pote. Pourquoi tu m'as attaché au poteau, wesh? Comment ça se fait pas? Je suis ton prisonnier, c'est ça? Pourquoi tu me mets en prisonnier? J'ai dit que j'étais gentil. Je suis désolé, Huggy Wuggy, mais si t'es gentil, il va falloir que tu me le prouves. Je vais te poser deux questions, et si tu réponds mal, tu finiras attaché pendant toute ta vie, ici. Si tu réponds bien, je te libère, et tu vas devoir m'aider à combattre la team rose. Tu fais partie de la team bleue, donc peut-être que tu peux être mon ami. Est-ce que tu es d'accord? Oda, je suis d'accord avec toi. Tu dois être prudent. Tu n'as pas beaucoup d'amis dans cette ville. Je connais la team rose. Ils ont failli me kidnapper en 2002. Mais j'ai réussi à survivre et m'échapper. Alors ils ne m'ont pas eu. Je te promets que je vais t'aider à les battre. Pose-moi tes questions. Je suis prêt. Alors, la première question pour que tu prouves que t'es gentil. Est-ce que tu fais pipi au lit? Hein? Mais c'est quoi cette question? Bon, je vais répondre. Oui,
fais pipi au lit. C'est trop triste parce que je portais des couches quand j'étais petit, mais maintenant non. Et quand je fais pipi maintenant, ça mouille tous mes draps. Et après, je me fais punir par le chef des Huggy Huggy. Je suis désolé, mais pour te le dire, ceux qui font pipi au lit sont pas méchants. Après, bien sûr, il faut éviter de le faire. Faut pas faire exprès. Si tu fais exprès, c'est que t'es méchant. Et que tu veux juste te faire passer pour un gentil. Alors que si tu fais pas exprès, ça peut arriver à tout le monde, wesh. Quand on est petit, bon, toi, t'es plus petit, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, on va dire que c'est pas grave. Faut juste que t'ailles chez le médecin pour corriger ce problème. Peut-être que c'est un problème au cerveau. Mais normalement, si les gens font pipi au lit sans faire exprès, c'est qu'ils sont gentils. Est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube ? Oui. Bah oui. En plus, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai, parce que j'ai vu ta vidéo avec les youtubeurs Roblox connus. J'ai trop kiffé, j'ai mis un like, j'ai mis un commentaire, et j'ai dit, ouais, je veux la suite. Je te jure, c'est vrai, va voir. Ok, je vais vérifier. Je suis pas sûr qu'ils disent la vérité. C'est bizarre. Bon, on va vérifier sur l'ordinateur. Te voilà. Bon, il dit la vérité. Il a de la chance. Huggy Huggy, en ce jour de 16 janvier 2022, je te nomme libre et Huggy Huggy, gentil de la team bleue. Et je te libère. Merci Oda, t'es trop gentil. Mais pourquoi t'es à terre, Huggy Huggy ? Le souci, c'est que j'ai été attaché pendant 2 ans entiers, mec. Du coup, je sens plus mes jambes. Faut que tu trouves un moyen que je puisse remarcher un jour, mec. On va t'aider, Huggy Huggy. Je te le promets, tu vas remarcher. Pour que Huggy Huggy remarche, il faut que vous mettiez 3000 likes. Ouah ! Bon, j'ai un petit peu exagéré. Mettez 3000 likes et je le fais remarcher. Sinon, il marchera plus jamais. Moi, je m'en fous, hein. On sait jamais, hein. Si jamais c'est un méchant, on sait pas. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, marque Team Jaune dans les commentaires et je verrai que c'est vrai. La, la, la.